Alors salut, c'est bon de te voir aujourd'hui connecté. Et on commence à partir d'aujourd'hui un message qui fait partie d'une série qui s'intitule « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît? » Parce que je crois sincèrement qu'aujourd'hui, on cherche tous la paix. Et la paix, c'est quelque chose qui est si convoité, alors pourquoi pas en discuter ensemble? Et je sais pas pour toi quand tu trouves la paix, mais pour moi, l'un des moments où je trouve la paix, c'est dans ma routine matinale. Et dans ma routine, j'ai inclus me faire un bon café. Je sais pas si toi aussi t'es un buveur de café, mais ce qui arrive souvent le matin, c'est que je me lève, et par la suite, je vais prendre le temps de bouillir de l'eau, et pendant que je bouille de l'eau, je vais prendre ma douche, et lorsque je reviens, je fais mon café. Et dans ma routine de faire mon café, je sais pas pourquoi, mais c'est dans ce moment-là où je suis seulement concentré à faire mon café. Et là, ça m'emmène à être vraiment dans mon moment présent, et de pas être distrait par rien d'autre, mais juste profiter de ce moment-là. Et surtout le matin, c'est comme plus calme, hein? Puis on peut vraiment prendre le temps de le faire. Là, je fais un café pour moi et ma femme. Et il y a d'autres personnes qui vont ajouter d'autres choses dans la routine. Aussi, on va prier le matin, seulement pour se centraliser. Et aussi, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre le temps de regarder les nouvelles pour voir ce qui se passe. Mais moi, sincèrement, j'ai décidé de ne pas mettre les nouvelles faire partie de ma routine parce que j'ai réalisé que ça ne prend pas que j'organise pour regarder les nouvelles, pour apprendre ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, plus que jamais, on est hyper connecté et on peut voir les nouvelles de plein de façons. Que ce soit à travers, tu vois, les grands journaux ont des applications comme la presse. Je peux avoir l'application de la presse dans mon téléphone. Et lorsque je le regarde, j'ai des notifications qui viennent constamment me dire ce qui se passe dans le monde et les nouveaux besoins, les nouvelles situations. Aussi à travers Facebook, hein? On va aller dans notre fil d'actualité et on va voir toutes les différentes situations qui se passent sur Facebook, de qu'est-ce qui se passe dans le monde et les différents besoins. Instagram, ça va être la même chose. On va se demander qu'est-ce qui se passe. Mais on est constamment nourri de ce qui se passe dans le monde durant notre journée. Et je ne sais pas pour toi si tu as pris le temps de regarder les nouvelles, mais depuis même avec le COVID et tout ce qui se passe cette année, hein, en 2020, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Il y a tellement de besoins dans le monde d'aujourd'hui qui sont constamment mis à notre porte. Et pour vrai, pour moi personnellement, ça commence à attaquer mon âme. Ça commence à attaquer ma paix. Et je veux dire, parce que déjà personnellement, je suis certain que toi aussi, tu as des besoins personnels. Que déjà tu dois essayer de prendre en considération pour t'assurer que tout se passe bien. Tu as aussi ta famille, hein? Aujourd'hui, on sait que les enfants retournent à l'école. Et déjà, ça, c'est une logistique en soi d'essayer d'organiser qu'est-ce que ça va avoir de l'air, s'assurer que aussi les enfants soient en sécurité. Il y a aussi le travail. Il y en a certains d'entre nous qu'on doit essayer de chercher un nouveau travail ou s'organiser différemment ou faire un travail à la maison. Et même ça, c'est compliqué. Ou même, il y en a qui commencent une compagnie. Là, tu te demandes comment est-ce que ta compagnie peut continuer à survivre avec toutes les restrictions et tous les changements. Et ça, en soi, déjà, c'est des besoins à régler. Mais là aussi, il y a les besoins de ton quartier que tu peux savoir ce qui se passe. Non seulement ça, mais là, on peut savoir les besoins de notre pays, ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, on est conscient de tous les besoins du monde. Et il y en a des besoins. Et sincèrement, ils sont tous importants. Et ils ont tous ce désir de vouloir être réglés avec urgence. Et on peut le sentir parce qu'à travers les réseaux sociaux, à travers le téléphone, ce que j'ai l'impression, et je ne sais pas si tu peux connecter avec moi avec ça, mais que le monde crie à l'aide. À l'aide, on a besoin d'aide, on a besoin d'aide. Quelqu'un vient m'aider. Et lorsque je parlais avec des personnes de cette réalité où ce que l'on est, où qu'on est hyper connecté, où qu'on voit toutes les nouvelles, j'ai remarqué qu'il y avait deux types de réponses. Tu as une réponse où les personnes sont remplies d'empathie. On connecte avec ce qui se passe, on réalise qu'il y a un besoin et on veut faire partie de la solution. Mais qu'est-ce qui arrive quelquefois, c'est on voit une situation, on voit un besoin. Et là, on essaie de répondre à ce besoin, de trouver une solution, mais là, tu as déjà un autre besoin qui pop à droite, un autre besoin qui pop à gauche. Il y a une autre notification qui arrive, qui sont tous des grands problèmes et tous qui sont très importants. Mais là, le plus qu'on essaie de répondre aux besoins, le plus que j'ai l'impression qu'on ne fait que courir. On continue à courir, à essayer de répondre à tous les besoins. Mais là, je parle avec des personnes qui aujourd'hui sont juste fatiguées. Ils n'ont plus de batterie. Ils se disent qu'ils veulent continuer à faire partie de la solution, mais ils ne sont plus capables.
parce que c'est tellement un bombardement, ils sont submergés d'informations, de tous les besoins du monde. C'est comme si on a mis le fardeau du monde sur nos épaules. Parce qu'on désire tellement qu'il y ait un changement. On désire tellement qu'il y ait une solution. En même temps, en voulant aider tout le monde, ils ne s'aident pas soi-même. Et là, le monde se perd et leur âme est attaquée par ça. Mais tu as aussi d'autres personnes. L'autre personne, l'autre réaction, c'est qu'ils regardent la situation et ils voient comment c'est intense. Il y a tellement de besoins dans le monde et parce qu'eux ne veulent pas non plus être pris par ce besoin-là et que leur âme soit attaquée, ils désirent de tout éteindre. De se dire, je ne veux rien entendre de ce qui se passe dans le monde, je vais faire mes choses dans mon coin, laissez-moi vivre, je vais être en paix. Et je t'avoue que c'est compréhensible de vouloir réagir comme ça. Mais j'ai un dilemme aussi à l'intérieur de moi. Parce que je crois en toi et moi que Dieu nous appelle à être une lumière dans le monde. Et que c'est tout ce qu'on fait, c'est de dire, ah, je ne veux rien savoir pour que je sois dans la paix. Je pense qu'on manque le fait d'être une lumière qui n'est pas faite pour se cacher, mais on est fait aussi pour briller. Alors, voyez un peu le dilemme des deux réactions que l'on a. L'une, c'est on continue à courir, à vouloir tout régler, que je ne pense pas vraiment que c'est la solution d'être constamment dans un rythme accéléré. Mais de l'autre côté, on a aussi les personnes qui décident de dire « Ah, il n'y a juste pas de problème », d'agir comme une autruche qui met sa tête dans le sable et qui décide de dire « Ah, il n'y a pas de problème, ça n'existe pas », qui non plus, je ne crois pas que ça, c'est la solution. Mais quoi faire? Hein? C'est quoi la solution à ça? Et je pense que l'une des choses qu'il faut qu'on considère, c'est un rythme. Un nouveau rythme de vie qu'il faut établir. Parce que je me souviens, lorsque je devais aller au travail, je sortais de la maison, j'allais au travail, ou même que lorsque je vais aux études, je sors pour aller aux études, et par la suite, je pouvais venir à la maison. Et là, le rythme changeait parce que le travail, je pouvais m'en séparer, la maison, les études, je pouvais m'en séparer. Et là, je pouvais pas entrer chez nous de paix. Je pouvais me retrouver. Mais aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, toi et moi, le travail, c'est à la maison. Et là, c'est un nouveau mode de vie. Ou avec les restrictions, c'est juste, ça vient nous envahir. Et si on n'avait pas l'habitude de travailler à distance, on dirait qu'on est constamment dans un mode travail. Nos pensées continuent constamment à rouler. Et c'est dur de se séparer de la réalité pour se retrouver. Et même qu'aujourd'hui, je peux être dans ma chambre, pensant que je suis dans un endroit privé. Et là, je regarde mon téléphone. Et là, je vais sur Instagram. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'à chaque fois que je suis dans un espace privé et que j'ouvre mon Instagram pensant que je prends une pause pour relaxer, ce que j'ai fait, c'est que dans mon endroit privé, j'ai ouvert une porte au monde d'envahir cet espace. Enfin, j'ai plus de vie privée. Et ça que j'ai réalisé, c'est que du matin jusqu'au soir, soit que ce soit avec le travail, avec les réseaux sociaux, là je suis dans ma chambre et on va regarder les réseaux sociaux. Dans le fond, je suis constamment dans ce rythme. Et là, sans s'en rendre compte, le monde autour de nous impose un rythme de vie à travers lequel on n'était pas bâti ou créé pour vivre ainsi. Et c'est pour ça que ce que j'aimerais te dire aujourd'hui, c'est que si on n'apprend pas à briser le rythme que le monde essaie de nous imposer par toutes les urgences qui sont autour de nous, ce rythme va nous briser. Ce rythme va nous endommager. Et peut-être que pendant que tu m'écoutes réellement, c'est pas que le rythme va t'endommager, mais t'as l'impression qu'il t'a déjà endommagé. Ce rythme accéléré t'a mis dans une place où que, oui, par apparence, on essaie de rester fort, mais réellement, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide parce qu'on a essayé d'aider tout le monde, mais pas de s'aider soi-même. On a voulu être la solution pour tout le monde, mais finalement, on s'est noyé. Et je dis noyé parce que ça me fait penser à un exemple dans ma tête lorsque je regarde la situation. C'est comme si on serait tous autour d'une piscine. Et là, on voit tous les besoins du monde qui sont importants. Et tout le monde est en train de se noyer. Tous ces besoins-là, on les voit à travers nos réseaux sociaux, à travers les nouvelles, ils sont toutes là. Il y a tellement de choses qui se passent. Et là, on a les deux réactions. T'as l'une des personnes qui regarde, et lorsqu'il regarde dans la piscine, il voit le monde se noyer, il se dit « je ne veux pas me noyer ». Et là, pour ça, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit « je ne peux pas toutes les aider, c'est trop pour ça ». J'avais fait mon barbecue sur le côté.
Ils vont se noyer, puis moi, je vais faire un barbecue sur le côté, que je crois qu'il n'est pas la chose qu'on a appelé à faire non plus. Mais tu as d'autres personnes qui voient ça et remplies d'empathie, voulant faire partie de la solution, décident de sauter dans l'eau, d'aller dans la piscine et essayer d'aider tout le monde. Et essayer de les sortir pour pas qu'ils se noient. Mais finalement, ils sont toujours sous l'eau, prennent jamais le temps de respirer. Puis là, on leur dit, prends le temps de respirer, respire. Mais ce qu'ils se disent dans leur tête, c'est, non, j'ai pas le temps, c'est urgent. Je peux pas m'arrêter, je peux pas respirer, je dois les aider. Mais en faisant ça, à un certain point, finalement, on va se noyer. Et je suis sûr qu'il y en a, quand seulement toi, tu m'écoutes, et peut-être c'est toi dans ta famille. Dans ta famille, t'es la personne, t'es comme le pilier de la famille. Je pense que dans toute famille, il y en a une personne comme ça, où c'est la personne, ce que tout le monde dit, lorsqu'il y a un problème dans la famille, je te fais confiance, tu vas régler ça, t'as les bonnes paroles, t'as la bonne solution. Et là, t'es dans cette situation, parce que habituellement, dans ta famille, t'es toujours la personne ressource, t'es comme le héros, le sauveur de la famille. Mais là, c'est pas seulement ta famille qui te demande d'être un héros, on dirait que c'est le monde au complet qui te demande d'être un héros. C'est le monde au complet qui demande d'être comme un sauveur. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, t'es pas le sauveur du monde. Le sauveur du monde, c'est Jésus-Christ. Christ est la solution. Christ est celui en qui on peut se confier. Parce que aussi urgent, écoute-moi bien, s'il y a une chose aujourd'hui que j'aimerais que tu puisses repartir après m'avoir écouté, c'est qu'aussi urgent les besoins du monde sont, aussi important et urgent, il est urgent qu'on s'arrête. Il est urgent qu'on s'arrête pour prendre le temps de prier, de se retrouver en Dieu, puis de lui donner et redonner nos soucis. Et ça me fait passer à un passage, parce que c'est dans 1 Pierre, chapitre 5, versets 6 à 7. Ça le dit ainsi. « Courbez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Et si tu es connecté pour la première fois et tu te demandes, vous, la foi chrétienne, c'est parce qu'en tant que chrétien, je crois, on réalise qu'on n'est pas créé pour porter les fardeaux du monde sur nos épaules. On n'est pas créé pour ça, on est créé pour être en relation avec Dieu et qu'à travers cette relation, on trouve la force pour faire face à la vie de tous les jours. On trouve la force pour faire face au monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que Dieu dit, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis. Par sa grâce, il va prendre soin de nous. Mais maintenant aussi, il y a un passage que lorsque je pensais à ce message, qui va directement en lien à ce que j'essaie de vous communiquer aujourd'hui. C'est dans Psaume 46, verset 11. Et ça dit, « Arrêtez, crie-t-il, arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Arrêtez, arrête et reconnais qu'il est Dieu. » Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. C'est dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 12 à 16. Ça parle l'histoire d'un homme lépreux. Et ça commence ainsi, le verset 12. « Alors que Jésus se trouvait dans une ville, survint un homme couvert de lèpre. » Et avant qu'on continue avec l'histoire, j'aimerais mettre un peu de contexte sur qu'est-ce que ça voudrait signifier quelqu'un qui a la lèpre dans le temps biblique. Vraiment, la lèpre, ça peut être le nom de plusieurs types de maladies, guérissables ou non. Mais en grande majorité, c'est reconnu comme une maladie qui était fatale. Et on peut le voir parce qu'au niveau du visage, ça fait tout défigurer. Alors, physiquement, oui, la condition était mauvaise. Et dans ce temps-là, ils ne savaient pas trop comment gérer avec la lèpre. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait pas de médicaments ou rien comme ça. Ils devaient mettre les personnes en quarantaine. Ça fait penser un peu à la COVID d'aujourd'hui. Alors, ils devaient mettre les personnes en quarantaine parce qu'ils ne voulaient pas que les autres personnes soient affectées par la lèpre. Alors,
lorsqu'il était mis aussi en quarantaine, c'est s'il devait arriver dans un lieu public. Imaginez, la routine qu'il devait faire, c'était de dire « impur, impur », il devait le crier à voix haute pour s'assurer que les autres personnes aussi soient au courant qu'il avait la lèpre. Alors, peux-tu t'imaginer rentrer dans un endroit et tu dois crier à voix haute « impur, impur » et le monde devait s'éloigner de toi? Alors, c'est pas seulement une question de la lèpre, c'est une condition physique, maladie, oui, mais aussi, psychologiquement parlant, ça t'affecte énormément. Tu perds tes relations. Comme tu peux pas vraiment trouver un travail parce que personne veut t'engager avec la lèpre. Tu dois être basé sur la charité de d'autres personnes. Dans le fond, tu n'as plus la vie que tu avais. Tu perds ta vie. Et je peux simplement imaginer cet homme lépreux vouloir trouver la solution dans toutes les choses de ce monde, essayer de demander au docteur, voir s'il y a une solution, essayer de demander à ses personnes, aux personnes qu'il connaît autour de lui, mais que finalement, il ne trouve rien. Et là, il entend parler de Jésus. Il entend parler d'un Jésus qui partage une bonne nouvelle de Dieu et qui guérit les malades. Alors, c'est comme s'il entendait que durant toutes ces années, il n'y avait pas de solution, mais que finalement, peut-être, quelqu'un avait la solution à sa situation, à sa condition. Et là, on continue ici dans verset 12. Et ça dit, « Quand il vit Jésus, il se jeta devant lui face contre terre et le pria, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Et là, c'est comme s'il avait oublié toutes les règles et la situation pour sa condition. Il dit, il était tellement désespéré. Il a dit, « Je vais laisser mon orgueil de côté et je vais m'humilier devant lui parce que si c'est vrai, Jésus, j'ai besoin que tu me guéris. » Je suis tanné d'essayer de le faire par moi-même. Je sais, il n'y a pas de solution dans ce monde-là. J'ai cherché partout. Mais encore, je suis pris avec ma condition. Jésus, s'il te plaît, guéris-moi. Et là, dans le verset 13, ça dit, « Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre le quitta. Et j'aime ce verset, j'aime ce passage. Parce que ça montre aussi comment Jésus était prêt à faire ce que les autres n'osaient pas faire. Personne n'osait s'approcher d'une personne, d'un homme avec la lèpre. Mais Jésus savait que lorsque les autres personnes décident de s'éloigner de lui, là où peut-être la honte vient l'envahir parce qu'il s'en rejetait du monde, Jésus décide de s'approcher de lui parce qu'il n'a pas honte d'être à ses côtés. Il veut guérir sa condition. Il veut faire partie de la solution. Alors il décide de s'approcher de lui et de le guérir. Et pour moi, ça me fait penser comment Jésus n'a pas honte de notre condition. Que quelquefois, lorsqu'on est prêt avec un hystérique ou un moment où on pense qu'il n'y a plus personne qui est autour de nous, plus personne ne supporte, lui, Jésus, au lieu de s'éloigner, il s'approche de toi. Il s'approche de toi là où tu es parce qu'il désire restaurer ta condition présente. Et c'est ce qu'il fait avec l'homme lépreux. Et c'est ce que je crois que Jésus veut faire avec toi aujourd'hui dans ta condition. Et dans le verset 14, ça continue en disant, « Jésus lui donna cet ordre. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et apporte l'offrande que Moïse a ordonnée pour leur montrer que tu es guéri. » Et là, c'est comme un drôle de passage, mais juste expliquer un peu l'entage de contexte, c'est que dans ce temps-là, il y avait un rituel que si quelqu'un qui avait la lèpre était rendu pur, il devait s'assurer d'aller voir le prêtre pour que le prêtre puisse confirmer le fait qu'il est pur et que par la suite, il peut faire un sacrifice en son nom pour officialiser le fait qu'il était pur. Parce que vous vous souvenez, j'ai mentionné qu'il devait crier « impur » en lieu public. Mais maintenant, à travers ce rituel, ça veut dire qu'officiellement, il n'avait plus besoin de crier « impur ». Il était restitué dans la communauté. Alors, le miracle de Jésus n'était pas simplement une question de « oui, sa guérison physique », mais c'était une question qu'il était ramené dans la société. Il fait revivre la vie qu'il avait perdue. Il fait retravailler encore. Il fait avoir ses relations. Il fait revenir en communauté. Il fait retrouver sa vie. Et là était la puissance aussi du miracle. Et par la suite, le verset 15, il continue. « Cependant, la réputation de Jésus se répandait de plus en plus. Une foule de gens se rassemblait pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. » Et j'ai essayé de penser, imagine d'être dans les souliers de Jésus en ce moment. Où est-ce que là, tu viens de guérir quelqu'un, et là, soudainement, tu vois, tout le monde entend parler du fait que Jésus guérit les malades.
Et là, tu as tout le monde qui vient avec leurs besoins, leurs maladies, qui disent « J'ai essayé partout de trouver quelqu'un qui pourrait me guérir, j'ai pas trouvé la solution. » Là, j'entends que Jésus qui guérit un homme avec la lèpre. Hey, c'est sûr que je me pointe. Et là, tu as une foule de personnes avec des besoins urgents, tous qui sont très, très importants, qui tranquillement viennent mettre la pression sur Jésus. Non, mais ça, là, ça, c'est de la pression. Tous les regards te regardent font comme « J'ai besoin de ton aide maintenant. J'ai besoin que tu me guérisses maintenant. J'ai besoin que tu trouves, que tu sois la solution à mon besoin maintenant. » Ça me fait penser un peu pour moi, on ne voit pas les personnes autour de nous, mais est-ce que je regarde mon téléphone? Et que là, on regarde à travers tous les besoins qui sont là, que ce soit les besoins personnels qu'on a, les besoins de notre famille, les besoins qu'on a au travail, mais on a aussi les besoins du monde. Et tout ça vient, qui met de la pression comme « Viens m'aider maintenant. » Viens faire quelque chose maintenant, j'ai besoin d'une solution. Urgent, maintenant j'ai besoin de toi. Et là, le verset 16 arrive. Et verset 16, se dit, « Mais Jésus se retirait dans des endroits déserts où il priait. » Je peux simplement imaginer le monde qui sont là, qui regarde Jésus, qui disent, « J'ai besoin que tu me guérisses maintenant. Viens me guérir. » Tu as cette foule de monde plein de besoins qui sont là. « Jésus, j'ai besoin que tu me guérisses. » Et là, Jésus décide de dire, « Il faut que j'aille prier. Je peux voir, je suis sûr que le monde commençait à juger Jésus en train de lui dire, « T'as pas d'empathie. Ça veut dire que tu nous as pas à cœur. Tu veux pas nous guérir. Il me semble que tu peux les guérir. Il me semble que t'es la solution. Pourquoi tu le fais pas? » Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que Jésus décide de développer une discipline. Que dans son rythme de vie, malgré tous les besoins du monde qui sont urgents, il a trouvé urgent qu'il devait s'arrêter parce qu'il savait que son appel, ce qu'il faisait, ne devait pas être sur ses propres forces, mais devait être le fruit de la relation qu'il avait avec Dieu, le Père. Il savait que ce n'est pas simplement qu'il devait avoir l'air du héros, mais voulait aussi démontrer que son ministère n'était pas simplement par lui-même, mais c'était quelque chose qui venait du fruit de sa relation avec le Père. Il a dû développer cette discipline de s'arrêter parce que les besoins ne vont jamais arrêter. Il va toujours y avoir des besoins. Et il y a des besoins tout le long de l'histoire du monde. Alors de développer la discipline pour s'arrêter, pour se retrouver avec le Père, pour entretenir cette relation-là. Il a vu ça comme crucial. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais poser la question. Que si Jésus voyait le Fils de Dieu, Dieu incarné, voyait comme important de s'arrêter pour se retrouver avec Dieu le Père, à quel point encore plus important serait-il pour toi et moi qu'on s'arrête pour retrouver le Père, malgré toutes les urgences du monde. Qu'on se retrouve avec lui pour qu'à travers cette relation, on puisse être nourri et retrouvé pour être capable de continuer à être la solution, à être la lumière dans le monde. Et c'est pour ça, de façon très pratique, ce que j'aimerais t'encourager à faire après que tu écoutes ce message ou après le service, c'est vraiment que j'aimerais te poser la question, quelle est cette discipline que tu vas instaurer dans ta vie pour t'arrêter et te retrouver auprès de Dieu? Quelle est cette discipline que tu vas instaurer dans ta vie tous les jours ou est-ce que tu vas prendre un moment pour simplement déverser sur lui tous tes soucis pour qu'ainsi il puisse prendre soin de toi? L'une des solutions que j'aime faire, c'est à travers mon téléphone. Ce qu'il y a aujourd'hui, des fois, c'est des applications. Et j'ai essayé de faire ça récemment, et pour moi, ça m'a aidé. J'ai une application que deux fois durant la journée, dans des moments différents que je cédule, j'ai comme une pause d'une minute. Et c'est que malgré que je suis peut-être au milieu d'un travail, au milieu de toutes les choses, j'essaie d'instaurer ce une minute-là, où ce qu'à travers ce une minute-là, je mets mes écouteurs, et là, j'éteins mon téléphone, j'enlève les notifications, j'enlève tout, j'arrête tout, et je prends le temps de dire... Seigneur, je te donne tout. Prends tout. Tout ce que j'ai essayé de porter sur mes épaules, je te le redonne parce que je sais que je ne suis pas créé pour porter ça sur mes épaules. La pression que je vis avec la famille, la pression que tu vis personnellement avec ta condition physique, la pression que tu vis avec l'école, la pression que tu vis à ton travail, la pression que tu vis avec le monde aujourd'hui, qui constamment viennent mettre ça sur tes épaules,
C'est une discipline de prendre le temps de lui redonner de façon constante. De briser le rythme de vie qui nous est imposé par le monde pour simplement dire « Dieu, je te redonne tout. Dieu, je suis tanné d'essayer d'être Dieu. J'arrête. Et je prends conscience que tu es Dieu. » Et ainsi, je peux trouver la force pour faire face à aujourd'hui. Et ça, c'est une des façons que moi, je trouve le faire, mais ce que j'aimerais que tu fasses, c'est que après cela, que réellement tu prennes le temps dans ton horaire ou peu importe, d'établir quelle va être cette discipline pour que tu puisses te retrouver avec Dieu. Tu sais, c'est pas laisser de faire une heure, c'est-à-dire, c'est quand les moments que tu vas arrêter pour te rappeler de donner à Dieu les fardeaux que tu essaies de porter sur tes épaules. Pour qu'ainsi puisse restaurer ta condition intérieure et que tu puisses avoir une relation avec Dieu qui te donne la force de continuer malgré tout, tu puisses continuer d'avoir la paix. Et ça vient dans le principe que si on n'apprend pas à briser le rythme qui nous est imposé par le monde, ce rythme-là va nous briser. Et aussi urgent que les besoins du monde sont, il est urgent que l'on s'arrête pour se retrouver avec Dieu, prier, lui donner et redonner tous nos soucis pour qu'il prenne soin de toi et de moi. Et tu sais quoi? Dans cette situation, malgré qu'on prend l'exemple de Jésus, on n'est pas Jésus. On n'est pas Jésus. En réalité, dans l'histoire, on est lépreux. On est lépreux. Des fois, c'est dur à prendre parce que okay, on n'a pas la lèpre physique, il n'y a pas la condition, on n'est pas malade physiquement, mais on est malade au niveau de la condition de notre cœur, la condition de nos pensées, la condition de notre âme. Et malgré qu'on essaie de tout faire par nous-mêmes et de paraître fort et de continuer à être la solution pour tout, on n'ose pas avouer ou de dire qu'on a besoin de Dieu parce qu'on pense que c'est un signe de faiblesse. On pense de dire non, d'avoir besoin de Dieu, c'est faible. Mais en réalité, ce n'est pas une question de force ou de faiblesse. C'est une question du fait qu'on n'a pas été créé pour porter les fardeaux du monde. On n'a pas été créé pour être le sauveur du monde. Dieu a envoyé Jésus pour être le sauveur du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si tu as eu l'habitude de vouloir courir ou tu n'as pas osé demander de l'aide à Dieu, tu n'as pas demandé à Dieu d'être Dieu dans ta vie, quelquefois la condition qu'on a, c'est l'orgueil. Notre orgueil nous empêche de vouloir demander de l'aide. Mais aussi à cause de ça, on se noie. On n'est plus capable d'avancer, on n'a plus d'énergie dans la batterie. C'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais te rappeler du verset que j'ai mentionné, dans 1 Pierre, chapitre 5, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de toi. » Dans le psaume 46, qui dit « Arrête! Arrête maintenant! » Et reconnais que je suis Dieu. Et là, j'ai l'impression que là, tu m'écoutes en ce moment, c'est parce que Dieu veut dire « Arrête et reconnais qu'il est Dieu. » N'essayons pas d'être Dieu. Reconnaissons qu'il est Dieu. Et c'est ainsi qu'on trouve la liberté. Et je crois que c'est ainsi aussi qu'on peut trouver la paix. Lorsqu'on reconnaît que Dieu est Dieu. Et que lorsqu'on le décharge sur lui tous nos soucis, lui va prendre soin de nous. Et c'est ainsi qu'on trouve la force pour faire face à la vie de tous les jours. Et que peut-être pour toi, c'est plus facile de reconnaître, de te connecter avec l'homme lépreux. Parce que oui, tu reconnais que ta condition s'est brisée. Tu reconnais, tu as essayé de trouver la solution dans le monde aujourd'hui et tu ne sais plus quoi faire. Et là, maintenant, tu entends parler de Jésus. Et tu dis, est-ce vrai? Est-ce que vraiment Jésus peut restaurer ma condition? Est-ce que Jésus va faire comme toutes les autres personnes qui, à cause de mon historique, ont décidé de s'éloigner de moi? Mais aujourd'hui, je veux dire, Jésus n'a pas honte de toi. Jésus ne va pas s'éloigner à cause de ton hystérique. Jésus ne va pas s'éloigner à cause de ta condition. Au contraire, il s'approche de toi. Au contraire, il vient parce qu'il veut restaurer ta condition, avoir une relation avec toi. Il n'a pas honte de toi, il t'aime. Et par amour, Jésus s'approche de toi. Aujourd'hui, pendant que tu t'arrêtes, Jésus veut se rappeler qu'il est avec toi. Qu'il veut cette relation avec toi. Et peut-être que là, tu m'écoutes pour la première fois. Et
Tu n'as jamais pris le temps d'accepter Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et je te dirais que pendant que tu entends parler de Jésus, que oui, tu as essayé de faire à ta façon, tu as essayé de trouver la paix à ta façon, tu as essayé d'être le sauveur du monde, mais que là, peut-être, tu réalises que ce n'est pas la solution. De juste vouloir paraître fort n'est pas la solution non plus. De vouloir être le héros et le sauveur du monde, ce n'est pas la solution. Mais qu'aujourd'hui, je t'annonce que Dieu le Père a envoyé son Fils unique sur terre pour qu'à travers sa vie, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ puisse te donner une nouvelle vie. Que malgré ton historique, malgré tout ce qui s'est pu se passer, malgré tes péchés, malgré tes manquements, même si tu aurais pu avoir la honte à l'intérieur de toi ou l'orgueil, peu importe, il t'en libère aujourd'hui du moment que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Et peut-être que tu m'écoutes, c'est pas que tu n'as jamais accepté Jésus, mais tu as décidé de laisser Dieu de côté. Et là, la honte t'empêche de vouloir s'approcher de lui. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, malgré cette honte, peut-être que tu n'oses pas t'approcher de lui, mais lui s'approche de toi. Il dit, peu importe l'historique, peu importe l'histoire, peu importe ta condition, il t'aime tellement, sa grâce est tellement grande, sa miséricorde est tellement grande, qu'aujourd'hui, il veut s'approcher de toi et dire, reviens à moi. Reviens à moi. Peut-être que tu as décidé de te dérouter ailleurs, mais aujourd'hui, Dieu sait que tu t'es arrêté parce que tu désires avoir cette relation avec lui. Tu désires avoir cette paix. Alors maintenant, ce que je vais faire avec toi, c'est qu'on va faire une prière que je vais te demander de répéter, qui va inviter Jésus dans ta vie comme Sauveur et Seigneur personnel. Alors maintenant, je voudrais que tu puisses répéter avec moi. Jésus, aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel de ma vie. Pardonne mes péchés. J'accepte ta grâce et ta miséricorde envers moi. J'accepte ton sacrifice à la croix et ta résurrection d'entre les morts. Aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, dans le nom de Jésus. Amen et amen. Et j'aimerais te dire félicitations. Si c'était toi, tu as fait la décision, tu as décidé d'accepter Jésus dans ta vie à travers cette prière pour la première fois, félicitations. Et si tu as décidé de revenir à lui, félicitations, c'est la meilleure décision que tu as pu prendre aujourd'hui. Je suis certain que c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle histoire. Maintenant, que sa paix divine soit sur ta vie, que ce que le monde ne pouvait faire, Dieu peut faire ça comme un miracle. Et ce que j'aimerais, je t'inviterais à faire, c'est d'aller sur notre site web parce que j'aimerais honorer ta décision. En tant qu'Église, on voudrait honorer ta décision que tu as prise aujourd'hui. C'est d'aller sur le site web, sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Tu cliques là-dessus, tu remplis le formulaire, on va t'envoyer un cadeau. Alors, ce serait bon que tu puisses prendre la peine de cliquer sur ce lien pour qu'on puisse t'envoyer ce cadeau. Et maintenant, voici, c'est la fin du premier message pour la série « Puis-je avoir la paix, s'il vous plaît ?» Et dans les messages qui s'en viennent, on va ensemble continuer de décortiquer et d'expliquer que oui, le monde peut offrir une paix. Mais je crois que la paix que Dieu veut te donner est plus complète. Elle est plus complète. Et c'est pour cela qu'on va prendre différents messages pour développer différents aspects de la paix de Dieu qu'il a pour nous. Et pour cela, on se voit à la prochaine. Si vous êtes nouveau et avez dit oui à Jésus aujourd'hui, cliquez sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». Rendu sur la page, cliquez sur le bouton « Donner mes informations ». Ensuite, vous aurez simplement à remplir le formulaire avec les informations demandées, puis à le soumettre. Ainsi, vous resterez connecté à la vie de l'Église et cela nous permettra de mieux vous aider dans cette nouvelle décision que vous avez prise. Thank you.